Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau papa. Aujourd'hui, nous allons faire un gros pull bien chaud. Vous allez faire une maille, une chaînette et vous allez faire le tour de votre cou. Et vous allez voir combien vous avez besoin de chaînettes. Il est important que ce chiffre soit divisible par 4. Donc pour mon cas, j'ai trouvé 30. 30 n'est pas divisible par 4, vous allez me dire. Vous avez bien raison. Quel est le chiffre qui se rapproche le plus? Soit 7 fois 4 qui nous donnerait 28. Soit 8 fois 4 qui nous donnerait 32. D'accord? Je vais choisir de faire 7 fois 4. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de 4 mailles supplémentaires pour les angles. Donc, dans tous les cas, j'aurai besoin de 32 mailles. Donc, je serai bien dans mes 30 nécessaires. J'aurai donc 4 mailles dans les angles qui seront mes mailles d'augmentation. D'accord? Et donc, il me reste mes fameuses 7 x 4. Donc ici, il y aura 7 mailles, 7, 7 et 7. D'accord? Donc 7 mailles, une augmentation, 7 mailles, une augmentation, 7 mailles, une augmentation. Et nous avons bien nos 7 x 4, 28 et 4, 32. C'est bien divisible par 4. Maintenant, nous allons passer à l'ouvrage. Alors, comme je vous ai dit, la laine, j'ai choisi donc de la Julia qui se crochette en 7-8, mais je la double. Et je vais prendre un crochet en numéro 12. Je veux vraiment un gros pull bien chaud. Alors, on va faire nos 32 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3... On se retrouve au 32, d'accord? À de suite. Alors, je voulais vous dire qu'il n'est pas, bien sûr, nécessaire que vous fassiez avec la même grosseur de laine. Hein. Vous pouvez très bien utiliser de la laine plus petite ou utiliser uniquement de la cette laine, mais en une seule. Donc, vous aurez peut-être 60, si vous utilisez cette laine seule, ça sera donc de la laine en 7-8 avec un crochet, disons, en 7-8. Et là, vous rendrez compte que vous n'aurez pas 32 mailles à monter, mais peut-être 60, mais peut-être 70, peut-être 80, tout dépend. Mais vous aurez la même réflexion au niveau de la division. Hein. Si vous tombez, par exemple, sur 76 mailles, vous allez diviser, il faut que ce soit divisible donc par 4. Nous avons donc 36, là on tombe sur 19 piles, d'accord? Donc vous ferez 19 plus les 4 pour les angles. Vous n'avez pas obligation d'utiliser ma laine avec ma grosseur de laine. Vous prenez le crochet que vous voulez et la laine que vous voulez, tant que la division est bonne et que vous puissiez rajouter les 4 mailles pour les angles. Ok? Une fois que nous avons le nombre de mailles nécessaires, on va venir ici fermer pour travailler de façon circulaire. On vérifie bien que c'est pas twisté, d'accord? Et là maintenant, on va venir faire 1, 2 mailles en l'air et ici on vient faire notre bride. Et c'est parti pour ça, c'est la première. Donc 1, 2 4 5 6
7. À la huitième, je fais donc, puisque la huitième est celle d'augmentation, donc je fais une bride, deux mailles en l'air et une bride dans la même maille. D'accord? Et je repars pour cette bride maintenant. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. À la huitième, je fais exactement pareil que tout à l'heure. C'est une maille d'augmentation, donc je fais une bride, deux mailles en l'air et une bride. Allez, on fait ça, c'est ma première. On se retrouve à la septième, hein, de suite. Voici donc ma septième bride. Donc ici à la huitième, je viens faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et je repars pour 7 supplémentaires, donc une, deux. Vous aurez compris que c'est adaptable en toute taille, hein, bien évidemment. Vu que le calcul sera le même, ça peut être de la naissance à l'homme, hein, donc tout ce qui importe, c'est le nombre de chaînettes qui sont divisibles par 4, plus les 4 pour les augmentations. Hein. Bon, on se retrouve à la septième. Donc, nous voici à faire la septième. Et donc, l'autre, la huitième, sera celle d'augmentation. Donc, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Je viens faire ici ma maille coulée et on repart pour deux mailles en l'air, donc une et deux. On vient faire notre bride. Donc là, vous faites une bride dans chaque bride qui se présente. Donc, alors, n'oubliez pas que vous pouvez compter vos brides. Du moment où vous aurez fait des augmentations, vous saurez que chaque partie aura une bride supplémentaire de rang en rang. Là, vous en aviez donc 7 plus les 2 hein, qui étaient dans les angles. Donc, vous en aviez 9. Vous en aurez 2 de plus, donc 11, donc 13, donc 15, et ainsi de suite. Donc, à chaque rang, vous saurez exactement si vous vous trompez ou pas. N'hésitez pas à vous arrêter de temps en temps et à compter. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout à bien travailler toutes les brides. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, celle-ci doit être travaillée parce que celle-ci, c'est celle-là. Mais là, vous devez à tout prix travailler celle-ci. Avant de faire ici dans l'angle votre augmentation. Donc une bride, deux mailles en l'air et une bride.
Et là, vous allez faire comme ça, donc jusqu'à la fin du rang, en n'oubliant pas de travailler toutes les brides qui se présentent. Vous n'avez qu'à les compter, hein. Dans tous les cas, vous savez que là, regardez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Immanquablement, celui d'après, vous devez en avoir 11. D'accord? Donc ici, vous avez la première, donc une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vu que vous avez travaillé la première ici, la 11e sera celle d'augmentation. Donc voici votre 11e. D'accord? Donc ici, 2 mailles en l'air, la première des 11, donc une. Alors soit vous travaillez celle-ci, soit vous travaillez celle-là, hein, vous ne travaillez pas les deux. Simplement, il vous en faut 11. Donc je prends le parti de travailler celle-ci, donc une, deux, trois, 4. Alors, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. D'accord? On se retrouve à la fin du rang. Donc, quand vous venez faire ici votre angle pour rejoindre et finir votre rang, vous comptez bien, hein, que vous ayez le bon nombre de mailles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc j'ai ma 11e. Je ne fais pas de mailles supplémentaires. Je viens simplement faire une maille coulée. Donc ça, vous allez faire de rang en rang jusqu'à ce que lorsque vous pliez, vous vous retrouvez avec ces deux parties sous les bras qui se rejoignent et de façon ample, de façon naturelle. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint quand ces deux parties arrivent sous les bras. À de suite. Et bien voilà, une fois que ma hauteur me convient, la hauteur pour arriver en dessous des bras me convient ici. Donc, j'ai fermé et j'ai rentré les fils parce que je vais changer de couleur et que je ne veux pas un changement de couleur en plein milieu. D'accord? Donc, je vais directement venir prendre ici. Donc ici, je vais faire mon changement de couleur en même temps que je vais commencer à travailler de façon circulaire. D'accord? Je ne m'occupe plus des manches. Et je vais uniquement travailler de façon circulaire. Donc ici, je rejoins les deux parties. Voilà, je fais donc ma bride. Et là, je tourne et ici, je vais commencer à travailler donc mes brides. À partir d'ici, je travaille mes brides de façon circulaire. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de changer de couleur. Hein. Ça c'est à vous de voir. Moi, c'est un choix que j'ai fait de faire en trois couleurs. Mais donc, si vous ne changez pas de couleur, eh bien, écoutez, vous continuez par rapport à l'endroit où vous vous trouviez. Hein,
faites donc votre maille coulée et à partir de là, vous travaillez sur la globalité du rang de façon circulaire. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous allez faire la hauteur que vous aurez choisie. Ça peut être un petit pull en top, hein, c'est-à-dire court, un petit pull plus long ou un pull encore un petit peu plus long pour faire une petite robe. Voilà, une robe en laine. Que vous dire de plus? Là, moi, c'est assez cintré puisque c'est pour le mannequin. Hein, donc, ça va être une taille 34, 36, quelque chose comme ça. Ou 36, 38, je ne sais plus. Mais vous, bien évidemment, plus vous aurez à venir sous les bras, plus ça sera plus large. Et vous descendrez encore plus si vous avez une poitrine un petit peu opulente. D'accord? Pour être à l'aise. Du moment où vous sentez que ça passe sous les bras et que votre poitrine est à l'aise, vous pouvez commencer à travailler de façon circulaire. D'accord? Mais écoutez, on va se retrouver quand la hauteur sera finie. Allez, à de suite. Et bien voilà, une fois que j'ai fait la hauteur, bon, j'étais un petit peu plus loin, j'ai fait un petit peu un pull robe. Vous verrez vous-même ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de faire. Hein. Je vais venir créer mes manches à partir de sous le bras. Donc je viens ici et je vais créer donc mes brides. Donc je viens faire ici mes deux mailles en l'air et là je crée ma première bride à côté. Dans chaque maille qui se... Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de spécifier. J'ai descendu le crochet. J'étais en 12, je suis passée en 8. D'accord? Bien évidemment, ça dépendra du crochet que vous avez utilisé à la base. Si vous avez utilisé un 4, vous n'allez pas descendre. Hein. Vous ferez plus de diminutions. Là, moi, je vais faire des diminutions à la 4e, à la 3e, à la 3e. On va faire ça ensemble, vous allez comprendre. Mais vous, vous ferez des diminutions selon... Vous ferez des essais. Quand vous sentez que vous avez besoin de diminuer, vous diminuerez. Donc là, c'est parti. Ça va être simplement une bride dans chaque maille qui se présente. D'accord? Bien, écoutez, on se retrouve à la fin du rang de la manche. On se retrouve ici, à dessus. Donc une fois qu'on a fait le tour, on va venir faire notre maille coulée. Ce qui est important, c'est que vous notiez, hein, quand vous allez faire vos diminutions, vous notez à quel moment vous les faites pour que ce soit symétrique avec l'autre manche. Hein. Donc voilà, j'ai fait mon premier rang. Donc je vais faire un deuxième et un troisième rang. Pareil, pas d'augmentation, pas de diminution, simplement une bride dans une bride. Et quand je commence le quatrième, on se retrouve parce que là, je vais faire une diminution. À de suite. Donc ici, c'est le troisième rang que je ferme par une maille coulée, deux mailles en l'air. Et là, je vais faire, donc sur le quatrième, je fais une diminution de suite. Voilà, les premières mailles, c'est une diminution. Donc, maintenant, je vais faire deux rangs supplémentaires. Et au troisième, je ferai encore une diminution. Deux rangs supplémentaires et à celui d'après, une diminution. D'accord? Je ne vais pas vous faire patienter de me regarder faire une diminution tous les trois rangs. Maintenant, ça sert absolument à rien, surtout que vous, c'est pas sûr que vous utilisez les mêmes laines ou quoi que ce soit. Alors on se retrouve une fois que j'ai fini la manche. Donc voilà, j'ai fini ma manche, vous voyez, elle est bien affinée, hein. Alors donc il y a eu
Ici, j'ai fait 1, 2, 3. À la quatrième, au départ, une diminution. 1, 2. À la troisième, ici, une diminution. 1, 2. À la troisième, ici, une diminution. Et là, je n'ai plus fait de diminution. J'ai donc un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 francs pour... À partir de dessous du bras, 43 cm. D'accord ? De dessous le bras jusqu'à la manche, il y a 43 cm. Ça vous donne une idée approximative si vous avez besoin, si vous n'avez pas la personne en face de vous, pour savoir combien vous allez devoir travailler 2 cm pour une personne adulte. Et bien voilà, je vais vous mettre la photo de la robe terminée puisque je n'ai pas le recul nécessaire. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Mettez-vous bien en tête que vous pouvez le faire de n'importe quelle taille. Ne vous référez pas à ce que vous voyez. C'est simplement comme au tout début de la vidéo que je vous ai expliqué, c'est à vous de prendre vos mesures. Et là, vous pouvez même la faire, comme je le dis souvent, pour le géant vert. Donc, c'est pour vous dire. De la naissance au géant vert, ça ouvre un large panel. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ce papa vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Mais surtout, abonnez-vous. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.